Bonjour à tous, c'est Faze. On se retrouve pour une nouvelle et sûrement la dernière de ce let's play en compagnie de Picarigeek. Bonjour. Salut à tous. Donc dernière vidéo hein, peut-être. Ouais. Non, c'est même sûr. Tu es à la fin du jeu. Ouais, bah après il faudra que je fasse le DLC. Oui, bah après oui, il restera Arthurian of the Abyss à faire, mais. Ça, là, c'est ça y est. Là c'est les Pyknes. Avec ce putain de gros calice que t'as trimballé dans ta poche et t'as sorti d'un seul coup. La faux, ça fait moins classe quand même. Oui, ça fait un peu moins classe. Bah disons que vaut mieux pas que la porte soit trop basse quoi. Ouais. Moi, y a pas de risque. Normalement non. J'ai l'impression que mon perso s'était cassé la gueule. Ouh, il fait blanc ici. Et oui, il fait très blanc, c'est un... Ah tiens. Hein. Un passage dans une autre dimension. Un chevalier noir. Attention, tu vas tomber. Bah il continue quand même. Bon. Je crois qu'il s'en fout. Toi par contre, continue pas. Hein. Sinon c'était la chute mortelle. Et ce serait con de mourir à côté du feu. Mais Artorias essaie d'aller dans les abysses, moi je vais dans la lumière. Oh, sympa le colisée là-bas au fond. Et cette zone, elle est juste hyper classe. Ça fait t'as juste l'impression, voilà. Kiln de la première flamme. Donc regarde où tu marches. Ok, lui il est tu mort marches. Comme une merde. Ah oui, non, mais ça. Tu marches sur des cendres. Ouais, voilà, sur des cendres en fait, sur les cendres du premier feu. Mais il a bien cramé le premier feu. Ah oui. Et y a un copain là-bas. Bon, alors je voulais essayer un nouveau sort. Vas-y, approche. Bon, ça peut être faisable. Alors par contre, oui, comme tu vois, ils ont un armement assez... Non, c'est juste qu'il m'a empêché de lancer du sort. Ils ont de l'armement à éviter. Et là encore, lui, il est en mode facile. Hein. Ça y est, il a sorti que l'espadon du roi chevalier. Bon, ce con m'a fait ruiner une fiole. Éclat de titanite. Et voilà, tu l'as fumé. Alors c'est pareil ici, si vous voulez, vous pouvez farmer... Enfin, vous pouvez... Vous pouvez pas farmer les éclats de titanite, je veux dire. Je me suis un petit peu emmêlé. Quoique si, je crois qu'on peut. Je crois qu'ils reviennent... Si, ils reviennent, ouais. En effet, je crois qu'ils reviennent. Quand vous les tuez, vous allez au feu, ils reviennent. Ah, ces glands-là reviennent. Ouais, c'est d'ailleurs le seul endroit où on voit des chevaliers noirs. Fou, lui, il a sorti le gros matos, ouais. Voilà, et lui, il sort carrément l'espadon du roi du cœur de dragon. Cœur de dragon. Je m'embrouille un peu dans mes propos, mais c'est l'émotion, t'es à la fin. Putain. Il a manie bien, en tout cas, il met des steaks, hein. Alors moi, étrangement, c'est celui que j'ai battu le plus facilement. Peut-être parce qu'il est lent. Ouais. Donc ça pue pour les autres, ça. Bah disons qu'en fait là... Moi je pars de l'idée, alors après c'est qu'une supposition, qu'en fait on raffronte les chevaliers noirs qu'on a vaincus dans le monde normal. Ah. Ah ouais. Ouais, ça pourrait être ça. Parce que le premier a l'espadon du roi chevalier, le second a l'espadon du tueur de dragon... donc bah imagine-toi l'armement que vont avoir les autres, quoi. La hallebarde et puis après encore deux épées de. Voilà. De roi chevalier. Alors ça c'est une toute petite passerelle ça. Alors voilà, et ici moi je te donne un conseil, ça t'éviterait une morcone. T'en as un caché derrière le pilier où tu vas, tu prends l'aggro et tu retournes au début de la zone parce que sinon tu vas juste passer ton temps à te péter la gueule. Voilà, il est là. Merci du conseil. Bon, c'est le dernier épisode, je peux bien te spoiler un peu. Ouais. Ou donner des conseils. Au moins, oui, donner des conseils. Lui, il est retour sur l'épée. Je crois que celui de la hallebarde. Hein. Ah, fail. Amène-toi, mon grand. Oh. Oh, le copyright. Ah, par contre, je sais pas comment il fait pour faire traverser une fois à travers le corps d'un mec. N'essayez pas chez vous. Non, c'est dangereux.
Tiens, on va faire comme le catch à la télé, tiens, on va mettre des petits trucs. N'essayez pas chez vous. N'essayez pas ça chez vous. Essayez seulement en présence d'un adulte. En armure de chevalier noir. Et voilà. Et pour le LOL, faut que je la mette. Bah, elle est super classe comme armure. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais... Elle est plus légère. Oui. Et elle est plus efficace que ton armure d'Einstein. Non. Quand elle est boostée. Si, quand ouais, elle est boostée. Non, je ressemble à rien. Quand elle est boostée pour un guerrier avec l'armure d'Artorias, c'est l'une des meilleures armures du jeu. Selon moi, hein, qui ai joué un guerrier, Je pense que je m'y connais. Ouais, précise, parce que mon avis, tu vas te faire lyncher. Oui. Mais moi, je m'en fous hein, de ce qu'ils disent les gens. J'ai envie de te dire que c'est facile de donner des leçons sur un jeu. Moi, je donne des conseils, après, libre aux gens de les suivre. Moi, en tous les cas, c'est des conseils qui m'ont bien convenu pour mon style de jeu. Mmh. Et moi, j'utilise une chose qui s'appelle un Wikia pour vérifier ce que j'avance. Ouais, mais le Wikia est écrit par des gens, donc du coup, il faut se méfier de ces infos. Oui, mais il a été créé à partir du guide officiel. Mmh. Et contrairement au guide officiel, il a été tenu à jour à chaque mise à jour du jeu. Lui, il a une hache, tiens, j'ai jamais croisé celui-là. Il est curieux, lui. Ouais, elle est sexy la hache en tout cas. Il a l'air d'avoir du mal à s'en servir par contre. Tout à l'heure, il va t'en mettre un coup dans la gueule, tu vas morfler et là il aura plus de mal à s'en servir. Alors, moi, il y en a un qui m'a fait rigoler. Il a carrément. Mais je crois que c'est lui, en faisant son saut en arrière, il est tombé dans le vide. Parce qu'un petit peu plus loin, t'as un trou en fait. Justement, c'est pour ça que j'ai reculé. Il est juste tombé dans le vide. C'était juste épique. Oh, j'esquive. Oh, je pars dans le vide. Bon, il y a son copain là-bas, vas-y, amène-toi. Ah, lui, il a la hallebarde. Ça, ça fait mal. Voilà. J'aimerais que backstab, s'il te plaît. Laisse-moi faire. Voilà. Laisse-toi faire, coquine. Oh, excusez-moi, ah, téléphone. Il reviendra dans quelques minutes. Sinon, continuons de notre côté. Y a rien. Bah en fait il a pas mis quelques minutes, il a mis quelques secondes. Quelques secondes, ouais, il a juste coupé le téléphone tout simplement. D'accord. Donc alors bah derrière ce mur, bah écoute. Oh la musique elle est mignonne. Voilà, c'est juste. Oh il court. Waouh. Et il est juste hyper violent. Et son épée d'ailleurs, tu vas la voir. Bienvenue devant Gwen, le seigneur des cendres. Ah, il s'y met à l'Ornstein, lui, hein. C'est marrant parce que, dans mes souvenirs, dans la cinématique d'intro, il en sait de la foutre, ce gland. Bah, moi, en fait, il a fait que de m'affronter à l'épée. Oh, putain, je sais pas comment. Et il a une portée de malade. Hein. Mais en fait, c'est une épée deux mains qui manie comme si c'était une épée une main. Oh, putain, de merde. Heureusement que j'ai axé mon perso sur la dex, comme ça me permet de faire des esquives. Mais j'aimerais bien me soigner un petit peu, lâche-moi la grappe. Ouch. Ah. Putain. J'ai pas fait grand chose pour l'instant. Mais non. Ah, je t'avais dit que le combat allait être épique. Ouais, il m'a chopé. Enfin, je suis mort là. Pouf. Je suis en vie. Là. Bon, et il est resté coincé derrière son poteau comme un idiot. Putain. Alors oui, si vous vous demandez pourquoi je commente un petit peu après ce que FaZe a fait, c'est parce que moi je le regarde sur le live. Hein, donc il y a un léger décalage d'environ une dizaine de secondes. Et je suis mort. Là tu viens de mourir. Voilà, je viens de te voir mourir à l'instant. Donc voilà, tu viens de découvrir le boss de fin. Qui porte bien son nom. J'aurais peut-être dû mettre le masque de l'enfant pour le coup, j'aurais dû m'équiper. Peut-être Ah, j'ai pas remis l'anneau. Merde, okay. T'as pas remis l'anneau. Et non. Est-ce que tu veux un petit conseil qui m'a bien aidé? Vas-y, fais péter. Roule, genre par exemple, pars sur une roulade à droite et reroule sur la gauche tout de suite. En fait, essaye de tout rouler vers l'endroit d'où part son épée. Fouf.
Si t'as de la chance, normalement tu vas passer derrière l'épée, donc son coup va passer dans le vent. Mais là, tu es mort. Ouais, rouler dans le sens d'où vient l'épée? Bah, si tu veux, par exemple, s'il arme son épée sur sa droite à lui, justement, toi, fais une roulade sur ta gauche. Ouais, vers l'épée, quoi. Ouais, mais faut un certain timing. Hein. Moi, ça m'a. Je vais pas te mentir, ça marchait pas à chaque fois, mais ça me permettait d'éviter quelques coups. Bon, allez. Ouh, ça sort l'armure du tank. Ça y va en mode char d'assaut. C'est ça. Mais il va quand même me rouler sur la gueule. Oh, t'es déjà plus résistant. Tu vas résister à 2-3 coups de plus. Par contre, j'ai pas l'anneau de saignement, donc là ça pue. Ouh. Oh, mais tu lui fais bien mal, hein. Ouais. Quasiment la moitié de sa barre de vie. Bon, lui, il te fait bien mal aussi. Il m'a ruiné. Mets-toi derrière les poteaux. Va te planquer attends, derrière. Attends. Parce que derrière les poteaux, en fait, il a un petit peu de mal à venir te chercher. Ouais, j'avais oublié un détail. Je crois qu'il va y avoir de la coupure dans cet épisode. Encore. En fait, je suis un petit peu comme les pots de vin à l'arbitre dans un match de foot lors de la Coupe du Monde. Si on meurt, on sait qu'on gagne. Je vais me faire enflammer par tous les fans de football. Je suis venu sur la vidéo des Face RPG pour me faire haïr de la communauté. En même temps, je pense que... Oh, joli. Et donc j'allais dire, je pense qu'en même temps, tes abonnés qui connaissent ma chaîne doivent savoir que je suis quelqu'un de très freestyle en vidéo. Donc, ils ont l'habitude d'entendre tout et n'importe quoi. Avec elle, c'est un peu pété quand même. Wow. Hey, tu réussis super bien, putain la vache. Ouch. Et je vais passer sur l'armure d'Avel, hein, sur mon guerrier, je crois. Ah bah en fait il a une bonne stabilité, il bouge pas quoi quand il prend des coups. Merde. Bon enfin, sauf tirer lui, la moitié. Par contre, ouais voilà, lui il bouge par contre. Alors par contre lui j'ai l'impression qu'il a une putain de résistance au saignement aussi. Je suis bien équipé. Me revoilà. Donc les jeunes ne fumaient pas. Ça donne des chats dans la gorge. Et quand le chat a décidé de vous griffer la gorge. Alors ça me fait chier parce que mes humanités sont un peu loin là pour le coup. Alors je te passe juste que la pièce est circulaire et qu'en tournant autour, il se bloque en fait régulièrement dans les obstacles. Voilà, comme tu vois là, t'as pris un petit peu d'avance sur lui en fait. Parce qu'il se cale dans les obstacles. Est-ce qu'il est backstabable? Non. Merde. Ouais, je faisais plus de dégâts avec ma pfo, hein. Parce qu'elle est améliorée. Cette masturbation de la gâchette. Le clac 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 clac. Ah. Une technique barbare, gros bourrin, on bourrine. Je crois que c'est un autre épisode à bénir. Ça va être ça. Non, 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 recule, 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 recule. Soigne-toi, soigne-toi, voilà. Bon, pour l'instant, tu t'en sors plutôt pas mal. Je pense que t'as pigé le truc là. La technique est assez moche quand même. Ouais, parce que. Oui, mais t'es en train de faire exactement ce que j'ai fait en fait. Sauf que moi j'esquivais gauche-droite, mais. Ouf! Vite, dernier coup! Yes! Et voilà! Bravo, FaZe! Tu as vaincu Gwen, le seigneur des cendres. Donc, on s'en aille, mais je pense que là pour le coup. Ben on peut t'applaudir. Merci. Tu viens de terminer Dark Souls et donc de gagner l'arme de Gwen, le seigneur des cendres, qui te permettra de crafter son épée. Ah, l'âme, ouais. J'étais sur l'arme.
Ah, ça fait du bien de se retrouver en état normal. Donc voilà, et maintenant, bah, pour la cinématique de fin, il te reste juste à aller au feu et à l'activer pour mettre fin au jeu et lancer la dernière cinématique, puis les crédits de fin. Le live est planté ou non? Non, non, il est toujours en cours, je te vois. Ok. Bon bah, regardons cette fin en silence. Essayons de comprendre et profitons. Et puis après, on refera de toute façon un. Il y aura un épisode spécial où j'inviterai. Enfin, où avec Thomas, enfin Picard, on se réunira et Oh, t'inquiète, on. mon prénom est Raph et. passé tout près. Ouais. On prendra Raph et puis peut-être d'autres personnes pour essayer de décortiquer un peu tout ce beau merdier quand Oui, je crois qu'il va y en avoir bien besoin. même. Parce que le scénario, c'est vraiment le bordel. C'est un peu flou, ouais. On vient de tuer goût. Yep, on vient de tuer du coup tous les seigneurs, plus le dragon qui a trahi, et ouais, ok. Mais une question subsiste. Pourquoi? Où est le pygmée? Pas faux aussi. Bon allez, merci à Allez, tous bonne d'avoir regardé cinématique à cette tous. vidéo, ouais. Bah, merci d'avoir participé aussi. Bah écoute, de rien, c'était un plaisir. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Tchuss! Ciao à tous.